Nous voici déjà au troisième chapitre de ce projet chrono qui semble vous passionner tout autant que nous. Plus de 17 000 votes lors de l'étape précédente. Après un match très serré, voici le design vainqueur. Ces dernières semaines, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les ingénieurs de notre partenaire pour réaliser la construction 3D de notre mouvement avant de lancer les prototypes. Comme d'habitude, nous avons mis la mécanique à l'honneur, en squelettant le mouvement, en créant de la profondeur et bien sûr, en intégrant la masse périphérique côté cadran. Dans ce nouveau chapitre, nous vous présentons également une recherche couleur et plusieurs variantes pour le design des poussoirs. Vous pouvez bien sûr voter et donner votre avis sur la page du projet. Il manquait un nom à ce projet exceptionnel que nous avons finalement baptisé NB24. Mais ce n'est pas par hasard, il fait référence à un autre projet, l'aboutissement d'un rêve. Mais je ne vous dévoile pas tout, vous en saurez plus lors du prochain chapitre. C'était bien ? Ouais, super, ouais, parfait. Okay. Tu peux me dire à moi, NB24, c'est quoi ? Ouais.